Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Myra live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Comme ça tu aurais ta propre maison. Je veux pas qu'elle soit comme celle que tu vois, mais elle est belle. Maintenant que je te regarde, ressemble à Nino. Et on dirait tes frères et sœurs. Que je te rajoute la statue de l'île. Là, je m'en occupe. Regarde, elle est vraiment jolie. On aura toujours la compagnie, on ne sentira jamais seul. Nous avons perdu notre sœur, laquelle? Il dit évidemment, évidemment. Pourrais-je? Nous en savons rien. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Qui pourrait savoir où elle est? Owen, peut-être? J'entends bien. D'ailleurs, on ne comprend vraiment pas pourquoi. Mais ils ont l'air d'être des bons amis. Je vais aller lui demander. Je crois que je l'ai vue à son stand aujourd'hui. Non, elle n'y était pas. Je voulais dire Tilly. Elle était aussi au stand. Alors, je voulais dire Pili. Ah, Pili, oui, quelque chose l'a mise en colère. Elle est allée sur leur île. Elle possède une île. Alors, c'est sans doute un secret, mais je peux te dire où elle se trouve. Merci d'avoir bien gardé le secret.
Tilly, qu'est-ce que tu fais ici, petite? Je suis venue vous chercher. Vos sœurs se font de soucis. Elles peuvent. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Ouais, elles ont cassé mon pot de fleurs préféré. Elles ne respectent pas mes affaires. Et si vous fabriquez un nouveau, il suffit de me dire de quoi il ressemblait. Elles doivent me présenter des excuses, évidemment. On se retrouve par marché Coalice. Je vous apporterai le pot et des fleurs, d'accord? Ne vole rien dans les barils. Ce sont nos produits. Qu'est-ce qu'il te faut? C'est notre île et nous stockons les produits spéciaux. Je vois. Voilà le pot, maintenant présentez vos excuses. Pardon. Pardon, j'accepte vos excuses. Nous devons vous serrer les coudes. Nous sommes sœurs, Patrice. Eh oui.
Petit, est-ce que tu as vécu et ta grand-mère? Ouais, comment savez-vous? La nouvelle circule vite. Tu es de la famille à clous, tu me dois énormément d'argent, pardon? Ta grand-mère a emprunté de l'argent il y a quelques années pour acheter un bateau, sans doute cette vieille bicoque. Et tu voyages, je me demande comment ce bateau a pu coûter si cher. Il est très beau, n'en dites pas du mal, d'accord. Toutefois, je tiens à t'informer que tu es prêt à payer de cette institution. Pourquoi? Ta grand-mère a signé un contrat stipulant que tous ses héritiers étaient responsables de cette dette. Il s'agit de la famille proche ou de l'interne, cette personne devra s'en charger. Là, il s'agit de toi. Je ne veux pas te presser, tu peux payer en plusieurs fois. Toutefois, tu dois payer, sinon tes biens demeurant saisis. C'est embêtant. On va tout vendre, on va voir que ça va donner.
Oui, je crois. C'est là. Oh, mamie n'a jamais répondu à sa dette, qui sait. Ma pire négociation, plus jamais je ne ferai d'affaires avec cette petite fille ou ces vieilles dames. Non, je ne peux plus faire affaire avec l'élite non plus. Ouais, elle est vraiment très mal tournée. Dehors, petite. Donc c'était tout pour le live du jeu. Summer in Mara, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah.